Mesdames, Messieurs, bonjour. Tous les gens qui ont été en train de se faire, na katia itando na bino Congo Market TV o toza ko pesa bino analyse actualité na katia magazine oyo analyse actu boyebi ke biso tokenda ra pharmacie poto ya to pesa bino désintoxication poto yebi ke Congo lelo penza intoxication eza mwa makasi mingi penza na ba TV na biso na internet bazo intoxiquer batu na basango mwa lokuta penza. Nous nous sommes fait le devoir ya komemela kabino toujours ba information o eza vérifié na ba source très sûre o yo soko ke place o ke no vérifier on ba biso oui makambo Dieu kaninda lobi eza makambo vrai vérifiable et authentique parce que tout ça connecté na ba source ya sûr musalo ya journalisme za musala PTT. C'est vrai que efungola ba porte pa ya bande ko belé o lelo ba kota na kati ya musala na biso po ba sala yango mais na ebisi bino za musala moko ya passe parce que pour tomber sur la vraie information ce n'est pas facile koyoka biso no toyoka ka mais journaliste ayoka kana mato imisatu mato yo mibale ba nyoso bazaka nango et puis journaliste azara litoyi mususu o ezara na kati litoyi akati wana ne permettra ye ke ayoka o batu nyonso bazo yoka te pour que a expliquer ango batu et na kati ya magazine o nous nous faisons le devoir ya ko expliquer mino dans des termes simples et clairs makambo nyonso oyo tozo yoka pe o tozo mona na bitando eketo na internet. Alors lelo e kende biso na pharmacie to memeli bino 4 sujets. Nous avons 4 sujets lelo. Sujet à liboso to analyser eza likambuya justice. Et na kati ya justice, nous avons ba dossier à peu près 3 oyo lelo yo eza na kati ya eza lelo yo liboso ya bazusi. Dossier à liboso otokolobela eza likambuya mwana mboka Jean-Jacques Mamba, député national élu ya Lukunga pour le compte ya Mouvement de libération du Congo MLC. Wana dossier liboso to kolobela na kati ya justice. Dossier ami balé to kolobela na justice eza dossier ya mwana mboka Vital Kamerhe oyo procès et salimi mokolo na lelo bolandi yango to kozwa pe mwa maloba ya bandeko o balobaki pour le compte ya Vital Kamerhe ba intox o to yokaki na kati ya mikolo eleki mais tangu to landi procès ndenge le audience ya lelo ndenge eleki franchement Bolimbisa, franchement, tout le monde a pensé que il y a de la pure intox au bandeko bazo utiliser mensonge au bazo utiliser pour na ko distraire nango ba congolais au bazo na poser ko ba vérité sur les millions au ebungi entre ndeko Vital Kamerhe na ndeko Jamal na bandeko mususu baza jusque là tout le monde peut toujours répéter ba présumé innocent mais il faut que liboso ya ba juge vérité et yebana torolobela dossier wana. Alors dossier mususu torolobela na justice ceux qui ont 8 ans évidemment ceux qui ont 8 ans parce que dans le temps pendant mukele lo et ça dossier ya évêque Pascal Mukuna ceux qui ont 8 ans torozongelango mais puisque tu zwa kipe mama ba illustration hein ba moi il va interview bande ko basala ki torokote sango pe na kati c'est pourquoi toroza penza mulai mingite na analyse na biso ya mokolo lelo. Alors nous allons aussi chuté na intox moko bolanda ki na ba réseaux sociaux mikolo yo ya une prétendue rencontre entre le président Félix Tshisekedi na Joseph Kabila rencontre moko ces soldats ki na kanda Joseph Kabila betaki liboko na mesa a telemi ake na kanda Félix Tshisekedi pe a beti liboko na mesa ale ba kabwani ake de poisson donc to kozongela intox wana bolanda ki to kotchela une vidéo ngo bolanda bongo après to commenter yango. Alors sans plus tarder, tout ce bandana na sujet à liboso, tout le bi, et ça sujet ya makambo Italie, dossier ou affaire Jean-Jacques Mamba, député national, élu à Lukunga pour le compte ya Mouvement de libération du Congo MLC. Bande konanga na zolo bango tout le temps que il ne faut pas to bo ça n'est pas to outil. Pour na zomona bande komingi bazana tendance ya ko comparer makambo ezo salama lelo na oza ko salama na ileko ya ndeko Joseph Kabila tango zaki na pouvoir. Il ne faut pas to bosana ke na mboka oyo Congo na kata Kinshasa contexte nini tozaki nango to uti wapi tozaki na contexte ya ke tozana ndeko
a sali na kati ya pouvoir 18 ans. 18 ans na pouvoir et volonté à organiser élection pour na rechanger makambu ezala kité. Tout ça qui na contexte wana et dans ce contexte là, ba congolais ba mitia qui na position moko ya que makambu nyonso za ko sala, asala ya bien, asala ya mabe. Congolais mitia qui na contexte et là je veux parler plus particulièrement ya bandeko ya UDPS bandeko ya opposition ba mitia qui na contexte moko ya ke nyonso kabila za ko sala et koma ki mabe. Mais en réalité, tout ce qu'il faisait n'était pas mauvais. Mais seulement, il fallait montrer à la communauté internationale qu'on ne veut plus de lui. On ne veut plus de lui. Oui, mais tout ce qu'on lingi était, asalama lamu, asalama b, nion se rosalaga ma b. Et nous étions dans ce contexte-là. Alors, le loyo, tout ça, le contexte, c'est que tout ça, la posa y a changement. Tout ça, là, qui n'a posa y a changement. Nous avons voulu le changement de tous nos voeux. Et le long, nous avons quelqu'un, Oyo, Aye, Azoa, qui affiche une volonté, il y a quoi porter changement. Mais curieusement, nous avons constaté que nous avons dit qu'il faut tirer les choses vers le bas, parce qu'il y a un changement et il y a un bon côté. Nous avons analysé, nous avons fait ce que nous avons fait. L'Assemblée nationale, président de la République, a annoncé état d'urgence. Assemblée nationale na Sénat ba yokani Janine Mabunda na Tambwe Mwamba. Ba yokani ba lobi non c'est anticonstitutionnel. Oyo président de la République a salaki. Ba lobi to so bengi sa congrès, tango congrès koya pour que to corriger acte ya président de la République. Alors que Assemblée nationale ou Sénat baza na prérogative wana te ya ko corriger ba acte ya président de la République parce que le président de la République n'est redevable que devant la Cour constitutionnelle. Mais eloko wana eleki et cela qui moi makelele mais ba ko calmer jeu mais awa tozo loba il y a une plainte contre Alexis Thambwe Mwamba na ba propos atenaka sur la radio Top Congo contre le président de la République. Mais tant qu'à tenir ma propos, wana, il avait offensé le président de la République. Mais nous sommes dans un jeu purement politique. Nous ne devons pas confondre l'acte où il est posé et pas il y a Jean-Marc Kabound, qui est, à part le fait qu'il soit le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, mais il est en même temps le président d'intérim, il y a UDPS, le parti duquel émane le président de la République. Et à ce titre-là, quand il y a quelque chose où il y a qu'on mette en cause le président de la République, je ne vois pas comment on peut dénier à Jean-Marc Kabound le droit de pouvoir réagir en politique. Pas en tant que président de la premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, mais en tant que président ad intérim de l'UDPS. Et à ce titre-là, tant que Jean-Marc Kabound a moni ma kamounenge d'ako kene par rapport ya Thambwe Mwamba, nandenga entraîna ki Janine Mabunda, il est allé sur le même terrain Oyo Thambwe Mwamba kendaki. Parce que ba déclaration Thambwe Mwamba et salamaki na Radio Top Congo, Jean-Marc Kabound est allé lui aussi sur le même plateau. Et na kati ya ba argument na ye qu'il avait évoqué pour démontrer l'impertinence ya qu'organiser congrès. Ou l'inopportunité à organiser congrès, il a évoqué la question il y a moyens financiers parce que il avait évoqué le fait que nous sommes dans une crise sanitaire et la crise sanitaire demande au gouvernement congolais de mobiliser plus de 100 millions de dollars américains pour combattre coronavirus. Et à ce titre, il n'avait pas trouvé opportun que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent se réunir en congrès, ce qui devait nécessiter à peu près 7 millions de dollars américains, selon ma calcul à Salaki, à Zouaki, ma calcul, il y a rémunération, il y a députés, les 500 députés, à Zouina, les 109 sénateurs, sur Zouyango et na congrès, ba Zouaka, je crois, le double, il y a Obafouta Kabango, na session ordinaire. Quand il a fait ses calculs, il est tombé dans les 7 millions. Mais curieusement, si le loyo batunyo se va compter déjà Jean-Marc Kabound, batikeli ko pesa biso montant mon côté réel, ya que voilà, il a menti, le montant réel ya congrès c'est autant. Batikeli ko pia biso yango t. Alors que nous Congolais, nous sommes désireux de le savoir.
Ça, c'est le, la première manche de mon analyse. Alors, Ndeko Kabounde, tant que c'est analyse, on voit un député national, Jean-Jacques Mamba, qui adresse une correspondance à son premier vice-président dans des termes assez arrogants, ne tenant même pas compte, il y a courtoisie administrative, tant qu'on va s'adresser à premier vice-président, à lobby, à sa correspondance, terme, comme s'il s'adressait à un simple député national de rang qui n'était pas membre du bureau de l'Assemblée nationale. Wana sur le plan administratif, il y a déjà faute à Liboso. Deuxième faute, on va remarquer que leur correspondance Wana et Kei, dans 48 heures, je dois avoir des réponses. C'est comme s'il s'adressait à un vulgaire monsieur. Voilà deuxième faute. Bon, pas de quoi. Je trouve, je pense que Jean-Marc Kabound, à Bouaki Kokota na Jewana, il n'a pas voulu correspondre à l'obaki à ta la logique nego kendeti wapi. Mais regardez maintenant ici, Kabizo Dozokamwa. Dozokamwa par le fait que, comment est-ce que un député de l'opposition a sali une pétition. Mais curieusement, cette pétition-là est prise à bras le corps par le FCC, qui se trouve être l'allié, il y a Cash, Oyo, et ça qu'on gère pouvoir, Lelo, parce que nous avons une coalition FCC-Cash qui dirige le pays. Comment est-ce qu'il y a un problème qui est, ou une pétition qui est soulevée en défaveur d'un membre du bureau faisant partie de la coalition au pouvoir, mais il est soutenu par le FCC. Nous admettons que c'est un jeu démocratique, ok. Mais maintenant, lorsque nous allons dans le fond, et même pas encore dans le fond, dans le forme de la, dans la forme pardon, de la pétition, c'est là qu'on trouve qu'il y avait Anguissi Roche. Mais avant de continuer, Nalandi, le député national Léon Mbalemba, Nalandi Ndeko Daniel Safou, Nalandi Ndeko Solange Makumbuku, Bangono sont députés. Mais les deux, la dame Solange, na Léon Mbalemba, ba député ya AFDC. Mais il y a une contradiction d'enge salemi entre les deux députés. Oya moi si, azo appuyé des marches contre Jean-Marc Kabound, azo appuyé, azo contre la démarche, il y a arrestation, il y a Jean-Jacques Mamba, alors que Léon Mbalemba lui soutient l'arrestation parce que Jean-Jacques Mamba doit répondre de ses actes devant la cour. Menalingi, bolandana nous. Côté, Mabunda nié, a comme Baba. Bonini, puisque dans un FCCT, ah ouais c'est quoi au Bakangi un député, jurisprudence des alliés. Babeta ki Molière, Bakangiye, sans que Batouna autorisation et pas président de l'Assemblée, Batinga, Menote. Le grand exemple de l'FCCT, Bakamati, Batikinga Ningwana. Bon, moi, je suis Mbanga Ntaba. Ça se fait à l'insulte, Moninga. Et puis, voisin, Bakangiye, Balongolie, Nabalongolie, Nga Sapatu Monko. Linette, mais notre moko bakanina ya wana mbato na zwaki, et ça n'a pas linette n'engo. Moutoumoka l'obie de Romorote. Je suis un député le plus élu de Kinshasa. Mais, ma gamba politique, bakamati, batiki, immunité n'a pas batali en goté. Ah, et oui, bamba, ce qui bimba. Tala mobilisation. Tala mobilisation. Puisque, et comme il y a assemblée, comme il y a politique, si vous avez de telles tendances, balandez-les ou bien, si vous avez la tendance, vous avez de plaire le pouvoir, vous avez de faire Papa Molière, vous avez de faire des choses. Vous avez de faire des choses. Solidarité, il y a des députés, des députés. Des députés, des trois députés, des quatre députés, des cinq députés, monsieur, vous avez de faire des choses. Vous avez de faire Il y a Baninga, il y a Kovanda. Il y a Moussou Somoni, il y a Mbanga à tabac. De Nayawa, il y a Zarape, il y a bouteille à ta, il y a bière, il y a champagne. Il y a Mélango, il y a un collection. Il y a Bomoni, il y a député. Député de l'Assemblée nationale, il y a un mené à l'Assemblée nationale. Et à Mala Mouté, et comme il est sélectif,
Le premier partenaire ya Congo Market TV. Merci mingi na yo depuis Paris. Na maman Rebecca. Donc ndeko Léon Mbalemba lobi mbo asimbo. Je ne comprends pas du tout mbo asimbo et la gisinine. Mais tout ce que j'essaye de comprendre c'est que na affaire oyo ya ndeko Jean-Jacques Mamba, il y a à boire et à manger. Parce que eloko bazo opposé c'est que il y a pas flagrance. Il n'y a pas flagrance. Mais, nga na ba recherche nangai, nga juge te, nga journaliste. Na recherche nangai, soko tangi, article 107, je regrette beaucoup pour le temps, mais article 107 ezo lobaboye. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou être arrêté, sauf en cas de flagrant délit. En cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou Sénat selon le cas. Dans la troisième alinéa, en dehors des sessions, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf en cas de flagrant délit, des poursuites autorisées ou des condamnations définitives. Mais nazo yebate, nganaza nanga journaliste, mais français toyebi yango. Français toyebi yango. Bazolo bake, on ne peut pas poursuivre ou arrêter un député. En dehors, il y a session. Neti, si il y a session, exacte, député à Salimbeba. Pour ba kangaye, il faut justice et c'est une autorisation na l'Assemblée nationale. Wana ceux qui assemblée, ceux qui parlement, ils ont en cours, il y a session. Mais ceux qui sali que parlement, ils ont en cours, il y a session. Te. Député à Salimbeba, avant ya ko kangaye, il faut passer autorisation na bureau. Il faut bureau et assemblée nationale et autoriser ce qui parlement est en session T. Mais, balobi différence moko. Na kanini bako ko kanga député sans que basenga autorisation l'Assemblée nationale. Bazo loba, en cas yanini ya flagrant délit. En cas ya flagrant délit. Wana ba wana eza constitution mutele bien en cas de flagrant délit wana nde ba ko kangaye na ninga yitotala code ya procédure pénale na code ya procédure pénale je crois na sina zo ki yango déjà sokotali article 78 il y a code ya procédure pénale. Non, pardon, Bolimbisa. Ce que tu as c'est plutôt l'ordonnance loi. Voilà. L'ordonnance loi numéro 078. Voilà. Ordonnance loi numéro 078-001 du 24 février 1978. Relative à la répression des infractions flagrantes. Article 1er. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou réputée telle, sera auto-déférée au parquet et traduite sur les champs à l'audience du tribunal. Toute personne arrêtée à la suite d'une infraction intentionnelle, flagrante ou réputée telle, sera auto-déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du tribunal. C'est le cas Jean-Jacques Mamba. Alinéa 2. Il n'est point tenu d'audience
le tribunal siégera spécialement le jour même ou au plus tard le lendemain. Article 2. Est qualifiée infraction flagrante toute infraction qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Alinéa 2. L'infraction est réputée flagrante lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle est trouvée porteuse de faits, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans le temps voisin de l'infraction. Voilà. Et là, on a dit que nous avons fait la recherche. Awa ordonnance numéro 78-001, il y a 24 février 1978, et zo la qui s'acclaire que na kaya flagrance, parce que awa, ba député, oyo bagé ko sa la déclaration, on a bazo le bake, il n'y a pas flagrance. Mais c'est quoi la flagrance? Flagrance awa, eza le fait que moutou, a ke ko zo signature ya mouninga, a imité yango. Ça, c'est une flagrance. Et comment est-ce que Bazolo Bazo démontre flagrance awa selon la loi? Et ça que fait au lieu se commettre muto saliango intentionnellement. Ayebi ke likambo nazo sala ezama be mais a saliango quand même. C'est ça qu'on dit une flagrance intentionnelle. A saliango ayebaki ke ezama be mais a saliango. Et pas seulement que a saliango mais awa Bazolo bango esalamaki actuellement ou encore dans les temps voisins. Temps voisin awa. La loi ne détermine pas temps voisin, est-ce qu'elle a 2 jours, est-ce qu'elle a 6 jours, est-ce qu'elle a 10 jours. Ici, la loi ne détermine pas. Donc, na 4 à 10 jours, oh, nous avons depuis que nous avons fait commis. Si 10 jours, oh, Ndeko Simon Piana a saisi le procureur, on est dans le temps voisin. Donc, il y a flagrance. Donc, si on a un tox, Ndeko Léon a lobby, il y a un cas de jurisprudence. Baka eza ebele, eza ebele na époque ya Ndeko Joseph Kabila. Baka eza ebele. Ndeko Léon ne malemba. Alobi yango wana eza koutou n'époque ya Joseph Kabila. Te awa kakawa sou manda ya Félix awa. Baka nga ki? Baka ngiye. Basa mbisiete. Enfin, ba sengi autorisation de mbala moko. Ba menote ye. Eza ka ya jurisprudence. On a le cas ya Ndeko Frank Diongo na époque ya Joseph Kabila. Baka nga ye ba senga autorisation d'Assemblée Nationale te. Donc c'est des cas qui existent, c'est la jurisprudence qui existe. Et pourquoi le loyo Ndeko Jean-Jacques Mamba il doit faire exception? Et pourquoi le FCC a zui yango à bras le corps? Er batubaza ko loba wa ke derrière Ndeko Jean-Jacques Mamba il y a quelque chose de louche batubaza ko ndimaté. Et le MLC a même écrit une lettre, un communiqué pour fustiger position il y a Jean-Jacques Mamba koloba ke toza na kati ya démarche ya makambado salati. Mais je suis étonné le loyo ke tozo mona bande ko ya MLC na moni soki président ya soki ya jeunesse avenir ya MLC azo sa ba déclaration a comment imputer yango na UDPS disant que eza dictature moko maske ya UDPS. Mouta porter plainte aza mutu ya UNC bato yo bazo soutenir plainte eza batu ya FCC. Bon, qu'est-ce que l'UDPS a à voir dans Katia Makambouana? Nyon Sowana, intox, machination. Bon, tout le dossier wana. Lelo yon de kamera sambi. De kamera sambi lelo. Et la passe. Bajour ou eleki. Ndeko John Narosenga, oche la bison en moi extrait. Yaba ndeko, ya UNC, teo kamarambaza ro loba. Na itandweke to ka ba déclaration bazako sala bazo déclarer non to ko bengi sa ba témoin ba koya ko samba ba koya ko to ko ventre boa to ko ventre boa audience yango salami le loti audience salami le est-ce que ba ventre boa bolanda ino na procès pénal tous les précités il faut pas la représenter. Vital a parlé de 9 personnes au bazaki qui va superviseur. Tous les 9 bagozards. Il a parlé de la coordination qui est dirigée par Nicolas Kazadi, ambassadeur itinéraire chef de l'État, il doit être représenté.
Alors, au moment opportun, nous allons mettre tous les documents à votre disposition. Mais je vais informer Mama Oyaza Koyokangaï. Azola Nangaï, très bien. Dossier Djamal, le 25, Djamal est mort à cause du risque qu'on a cité. Sur 57 millions, tu avais remis à Djamal 48 millions. Les 9 millions, on a écrit ou appuyé. Toko, c'est ce que le Belangote. Mama, basa la politique qui boite. Binonde boyaki na dossier wana. 57 millions de besoins qui na banque. Bopesi Djamal, 48 millions. 9 millions, il faut bo le Belango. Toza ko senga na parquet. Bofongo la problème, il y a saut des moutons. Toye bisa bino ke saut des moutons. Mouton yaka na va marcher, n'y a soit saut des moutons. C'est Christian Tshisekedi. Tu expliques à Binango très bien. Et à quel paquet deux fois, Bazongi Sié, au moment où il n'avait même pas des arguments. Et Tobaki Sirisu Souboye, 15 millions Tokoti Kayangote. Vital a été trop vilipendé sur ce point. Alors, Bande Gonangaï, Tokoti na scénario moko, na batoyo, bazaï qui préparait pour na pouvoir. Naya, on a moni dollar et commis 19. Mboke Koti na dissation. Moi, je vais vous faire un billet à 5 millions. Au Kabila, il y a 5 millions. Il est capable de coller ça. Donc, la banque a passé déjà un rapport déficit et coti. Nous avons une situation économique qui a plongé. C'est-à-dire, 5 ans, nous avons s'endetter pour que nous représentions le peuple congolais. Un bilan, il y a 272 millions qui sont des moutons. Il y a un autre parce que Bakanga qui est vital dans le dossier. Il y a vital. Il y a un mets propre. Alors, nous avons un moment porté. Tu as déjà un billet. Tokotika eloko wana te. Merci Ndeko John Makula, merci na réalisation. Bozo mona ke soki oyoki ndeko ndinga zoloba. Otali siko lelo audience ndenge leki. Hein, je crois que bozo mona ba image ya audience ndenge leki et bozo ki occasion ko landa yango. Soko tali déroulement ya audience. Ba question bazo poser ndeko kamere. Est-ce que zata na question moko à laquelle il a répondu aujourd'hui? Ba question nyo so bazo poser ye azo beta azo umbakaka. Azo umbakaka ba question nyo so bazo poser azo umbakaka. Ozui Djamal ba question nyo so bazo poser ye azo umbakaka. Osomba ndaku moko combien? Non ngana za na mbongo belé. Ngana commanda ki bandako belé. Ngana teka ba mbetu na ba kiti na mboko depuis kala. Est-ce que ba éventré boa? Nde kwa zolo bana video bo uchi kolanda le bino toko bengi sa ba temoignon so na le 9 wana bazaki na kati ya coordination il faut ba ngonyon so ba ya ministère public ayo ki et le bino toko sunga bino kasi boze la tozo e de bino ministère public a le bi bon siko le toze la bino bo benga biso tika to mi benga la bango deja kasi ba bengi bango ba sali liste bino nyon so la kele le boya ko samba o nga gouverneur a banque ya ko samba o nga iso ki coordonnateur o chargé de mission ya Félix Tshisekedi ya ko samba o nga iso ki nani bino nyon so la kele le boya ko samba pona ko lakisa ba congolais que république eza ko banga elo kote. Et plus loin, le loyo bolandi ango l'air balobi ke na audience ya mercredi. Amida il faut aya ko samba. Sorayan piana il faut aya ko samba. Ba avocat ba komi. Oh te, bango ba ko samba po nini? Est-ce que ba benga ka mosia mutu bongo? Te. Bino bolba ki bozo banga te bo éventré boa. Boti ka ba benga ba ko benga na bato bazaki na coordination. Parce que ce qu'on t'a dit, réquisitoire, il y a procureur, na kati wana kombo ya mida, eza cité, kombo surayan piana, eza cité, ba komi yo non, ndengeni ni batu baza awate na kati instruction, ndengeni bo benga bango, bako benga bango, bozo banga nini, bako benga bango, 48 millions eza wa, bako benga bango, ba ya, baya kwe bisa biso mbongo na biso eza wapi, Djamal komi wote na kukufa nanga, na kukufa, okukufa te, au fond, nous avons dit que nous apprenons de ce que nous faisons. Pour nous, nous avons dit que mais avant, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit. C'est ça le problème. C'est ça le problème que nous avons. Nous avons dit que nous avons dit. Tout ça, vraiment, nous avons dit. Dans la vidéo, la vidéo de Souka, et la vidéo de Souka, nous avons dit que nous avons dit que nous avons confrères, nous avons dit. Mais bon, nous avons journaliste à ça en internet. Alobi Joseph Kabila na mokonzi mboka Félix Tshisekedi bakutanaki le 21 avril na kati ya réunion moko pona makambu ya ba entreprise publique bolanda ina nubongo tozonga après.
une grande nouvelle vient de nous parvenir dans le secret. Le président Félix a mis fin à ses relations avec l'ancien régime, l'ancien président. Tout est parti de l'annonce de la Cour constitutionnelle lorsque cette Cour a déclaré que les FCC, les CACH, la MOUCA ne sont pas reconnus par la Constitution. Par conséquent, ces institutions, ces structures, ces organisations cessent d'exister comme majorité au Parlement. Tout est parti de là. Joseph Kabila s'est précipité pour aller rencontrer le président Tshisekedi. Tshisekedi l'attendait sans rien dire. Quand il est arrivé chez Tshisekedi, ils ont commencé à parler. Joseph Kabila, comme d'habitude, il vient encore avec des propositions sur les entreprises publiques, la répartition, où il s'octroie 65% contre 35%. Tshisekedi lui dira non en face. Il dit, ça ne se fera pas. Cette fois-ci, je serai le seul à pouvoir ordonner tous ceux qui vont travailler avec moi. Je ne suis plus obligé de pouvoir prendre... Vous avez déjà des ministres. Au niveau des institutions comme les entreprises publiques, je vais nommer des Congolais qui sont expérimentés, qui sont compétents, qui ont la technique, qui savent ce qu'il faut faire parce que j'ai besoin du résultat. Je n'irai pas dans ces nominations encore avec des politiciens pour que je puisse davantage m'enfoncer. Déjà avec le gouvernement, voyez combien vos ministres sont en train de saboter mon action. Au niveau des entreprises publiques, il n'y aura plus rien de tout ça. Joseph Kabila a tapé sur la table. Il s'est fâché. Félix lui a dit, vous avez déjà ma réponse. Tout ce que vous voulez, faites-le. Mais moi, je ne prendrai personne de votre part pour travailler avec moi dans les entreprises publiques. À cette parole, Joseph Kabila était dans tous ses états. Il est sorti, il est dans sa voiture, il est parti. Donc la situation est tendue. Kabila est parti de chez Tshisekedi très fâché. Tshisekedi lui a dit, ça ne change rien. Abonnez-vous massivement na Congo Market TV. Parce que biso tous en a bas information vérifiée et vérifiable. Ceux qui osent en information Congo Market TV osent la décider. Bilo qu'on dégoua lobby nyon soana na y dépense pas bien en formol. Rien de vrai, rien de vrai. Oh Joseph Kabila va coutani na Félix Tshisekedi a ébissé non et il faut que la entreprise Félix Tshisekedi a ébissé non makamba kabola ba entreprise zate na zone nommé batunga na lingi pour bozo bloquer ngana na batuna yo Joseph Kabila fâché a béti liboko na mesa ta allez Félix Tshisekedi pe a béti liboko na mesa pa allez Kabila siliki a bimia koti na mutu kana ya kei nenge tozo ba boyer ba kaboni en queue de poisson bazo kanate bilo wa lokuta. Lokuta, Congo Market TV, Bissibino, Lokuta. Abonnez-vous massivement na Congo Market TV, boza ba information, ya sûr. Ordonnance ya mokonzi ya mboka tangu kaka signé yango. Eza publié na RTNC. Eleki na journal officiel. Epa ya mwana mboka, l'honorable Guy Kabongo Mwadi Anvita. Déjà journal officiel. Tango ezo bimakuna, yeba ke, basi bakenda ki nango deja na cour constitutionnelle, pour na ko vérifier constitutionnalité na yango. Parce que bako kwa ko publie lo kote, ce qui eza inconstitutionnel ou anticonstitutionnel. Mende kwa zo bisabiso non, ordonnance ya portant organisation, ordonnance
Pourtant, c'est non ma cambo, ils ont utana mutu na bisoté. Nous on se sera vérifié. Ordonnance numéro 20/016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Et Zala qui, ensemble, na ordonnance numéro 20/017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères. Ordonnance Oyo. Et les cas qui n'ont pas beaucoup déjà y a cour constitutionnelle pour na établir constitutionnalité na yango avant et à la rendu public na journal officiel. Mais bonjour quand des oiseaux le bas que oh non ordonnance on est qui n'a rien à noter Fachi aibagi que FCC basala qui Mbeba ndenge bakumba kande ko Jean-Marc Kabund baké ba signé ba nommé informateur té tout ça sikoyo Félix Tshisekedi atindi ango na cour constitutionnelle pour ba démontrer inconstitutionnalité nango après sikoyo yé Félix Tshisekedi a nommé informateur pour ba nommer gouvernement ya sika. Ah non tu es bien que gouvernement ya sika ezoya c'est imminent parce que tu es bien que justice ou cour constitutionnelle et pèsi raison en deko ba eti lukwebo ba député nyonso ba kendaki sima ya nene nkulu bazo kweya to yebi yango ke bazo kweya bo zela c'est une question de temps biso to lobela mino bilobela te vous allez vous rendre compte que makambo zoyebisa no lelo bo komandati ya lelo nene nkulu azo kweya c'est une question de jour azo kweya ba député nyonso ba kendaki sima na ye na FDC A et tout ça FCC bazo kweya ils seront invalidés, ils ont déjà été notifiés, ils seront invalidés et une fois invalidés nenenkulu akwei remaniement est commis irréversible. John Tumba ministre ya UNC oya développement rural oya lia ki pembongo kuna na cadre ya ba travaux à 100 jours autorisation c'est pesami déjà pour bakanga ba tie maboko à samba azo kweya. Donc il y a déjà deux membres du gouvernement, il faut pas quoi, il y a remaniement et ça irréversible. Mais il faut pas tout quoi ça va congolais. Donc ma kambunde kwa lobi na vidéo na na émission na ye, c'est pas vrai. Ba to bazaki embarqué boye baké, et ça nango lokuta. Et pharmacie à Congo Market TV, et pe sabino désintox parce que tozana ba source, il y a sûr. C'est vrai que tozana procès au Kabona na Joseph Kabila. Posawana congolais nous sur les lois dans la posawana et que tokabwana. Mais nous devons faire les choses selon les règles de l'art. Toko ke ne makam nandenga mbutu mbututé. Il faut tout respecter. Bande konanga, to uti musika. Nous avons déjà évité le pire. Étape to komi awa, eza étape ya tozana posa ya ke makambu e bonga, makambu to kende liboso. Tozana posa ya ke changement ekota. Le changement ne peut venir que par les humains. Changement est quoi dans l'ordinateur, changement est quoi sur la machine, changement est quoi par les humains. Et nous avons quelqu'un à la tête du pays qui a incarné le changement, qui a la volonté de changer. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent tirer les choses vers le bas. Mais nous devons afficher la volonté de changer Makambo, biso ba congolais. Moutouna moutou place Azali. Volonté de changer Makambo. Il faut tout afficher. Yango. C'est le seul moyen de faire un changement. Alors, tout ce qui est là, walelo, dans l'espoir que tu recoutes dans le lobby, pour que tu puisses venir le sous désintox, nous sommes sur désintox, parce que nous sommes combattus dans le Congo Market Télévision. Bino bato, bozo se pena musala, tozo sala, écrivez-nous, on va vous répondre. Soutenez ce travail en vous abonnant. Partagez émission, partagez lien. Tindelango bandeko batala. Bye bye Congo Market Télévision. Abonnez-vous massivement à Congo Market Télévision parce que tout ça n'a pas ça et que nous devons atteindre des milliers d'abonnés pour que tout ça la moussala pendant la ndenge et sengeli. Soutenez-nous, tout ça n'a pas ça à soutenir Abino. Merci Ming na bandeko bazala ki na caméra kuna, bandeko bazala ki na régie, Viprocel, Media Pro. Merci beaucoup Abino Nyonso, merci. Na bandeko Nyonso bazo Hollande biso de partout dans le monde. Tout ça ba encouragement Abino. Tous préparer témoignage Nabiso.
Toropé Sabino Yango avant fin ya semaine oyo na makambo etali coronavirus. Toropé Sabino témoignage moko ya munene makambo to moni. Makambo to yoki parce que nous on était dedans. Makambo yo sama na ministère, yo sama na équipe à riposte, yo sama na ba hôpital to yebi yango. Mais seulement tozo senga bo futa bande ko na biso à Saint-Joseph. To yoki non ministère e bandi ko futa déjà ba équipe ba ba soignant. Mais bande quoi Saint-Joseph ba futa mité to éviter pourquoi? Alors qu'ils font un excellent travail. Bo futa pe bango. Merci Mingi, merci Nabino Nyonso, je crois que to okuta na mbala ya sima. Contact na biso ezawana plus 243 97 1516 kimeza na mabote Nabino. Ciao.